Donc, salam alaikum, ahibbaï, mahbab, je vais faire de la vidéo, les vidéos des corrections des productions écrites 2020 pour la première année baccalauréat. Donc, adin haoulou nchoufou had la production écrite, atani le sujet, on entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion. Donc, naya atani wahed l'opinion, d'accord? Donc souvent, les gens qui se lèvent tard, les tifiqaz sont des paresseux et des feignants. D'accord? Les nifniyani, qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion? Moi, je me tafre l'opinion. Le consigne, il y a vous rédiger un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinent. Donc, des arguments, des exemples précis et pertinents. D'accord? Je fais la production de la. Donc, des nombreux sont. Voilà, d'abord, je commence par la forme. La forme, plus ou moins, l'introduction forte, il y a un développement, la conclusion. D'accord? Voilà, très bien. Donc, les liens logiques, c'est en fait ce que c'est, d'accord. Donc, le sujet, les gens qui se lèvent tard, ils sont paresseux et fainéants ou là. Nombreux sont ceux qui croient que, donc, qui croient que les gens qui se lèvent tard, donc, bladik la virgule marsage con, donc, les gens qui croient que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir. Cela est-il faisable? D'accord? Cela est-il faisable? Donc, la cohésion, la logique, d'accord? Sommes-nous d'accord avec ces propos, les propos? Ou là, sommes-nous d'accord avec cette idée? D'accord? Ou là, cette idée est-elle juste? D'accord? Passons le développement. Certes, on pense que la réveille, au lieu de dire la réveille, donc certes, on pense que. Soit certes les gens pensent, certes on pense, c'est-à-dire on pense avec E à la fin, on pense que la réveille, mais la réveille, que se réveiller tôt, on pense, se réveiller tôt est essentiel pour, donc est essentiel. Et en effet, quand la personne se lève tôt, pardon, donc se réveiller tôt est essentiel et la base de la réussir, de la réussite. En effet, quand la personne se lève tôt, elle trouve longtemps pour faire ce que veut. Par contre, qui se lève tard, Satan ne la sait pas. Donc, Shadingul Kineya, me fait exactement ce que British Goul. D'accord? Donc, il y a bien qui donne un alfiakbkri essentiel pour la réussite. Yem tafkin. La phrase que je suis correcte, se réveiller tôt est essentiel pour la réussite. D'accord?
En effet, quand la personne se lève tôt, il trouve assez de temps, il trouve assez de temps pour faire plusieurs choses. Il trouve assez de temps pour faire plusieurs choses. Par contre, qui se lève tard, son temps ne la sait pas. Son temps ne le suffit pas. Ma qui fait, ne le suffit pas. Ma chérie ne la sait pas. En fait, qu'il n'a pas la capacité de classer leur temps, comment il peut réussir? Donc, en fait, celui qui n'a pas la capacité d'ordonner, ordonner, son temps, comment peut-il avoir réussi? Comment peut-il réussir? Cependant, qu'on ne peut pas dire, cependant, on ne peut pas dire que tous les gens qui se lèvent tôt sont se réussissent. Les gens qui se lèvent tôt ne sont se réussissent. C'est pas mal, je me dis souligner. Cependant, on ne peut pas dire que tous les gens qui se lèvent tôt ont réussi. On réussit, mais si on réussit, on réussit. En fait, que la réussir n'a pas la réussite, mais si la réussir, en fait, que l'un n'a pas de relation avec le temps, mais avec le travail et l'effort. Que la réussite n'a pas de relation avec le temps, mais avec le travail et l'effort. D'accord? En effet, les gens qui aiment travailler après le après minuit, après minuit, s'endorment peut-être, s'endorment peut-être vers 3 h du matin ou 4 h du matin. Cela est normal de cela est normal pour se réveiller plus tard, d'accord? En guise de conclusion, personne ne peut trancher la vérité absolue de la succès dont la vie à travers le temps, puisque chaque personne voit-il par sa manière. La production écrite, elle est un peu horrible, il a ma glitch. Donc c'est la production écrite, avec le message d'Yali. La production d'Yelk, ماشي مزيانة. D'accord, ناقصة في التعبير, بزاف ديال les erreurs, ديال la grammaire, ديال l'orthographe, à moins la forme كاينة محطوطة مزيان, حتى هادوك لي ليان لوجيك, مستعملش ديال لي ليان لوجيك, en effet, en effet, donc ما كاينش لي ليان لوجيك عندي بزاف, à part, donc en guise de conclusion, donc هاد la production هادي, elle est un peu donc naqsa pour être honnête à Zema. Le message d'Yelimzian. Il faut faire des efforts. La construction de la phrase juste. يعني واش كتبتي في الموضوع واش احترمتي دونك كاين شي شويه ديال انك كتبتي في الموضوع دي يعني كاين شويه ديال لي زارغومون ما كاينينش لي زيكزامبل بيرتينون اللي طلب مني ابار لا فورم لي نوت ديال لا فورم دونك هاد لا برودكسيون اكريت هادي اللي نقدروا نعطيو عليها واحد 3 اي دمي تال 4 كا ماكسيموم داكور 4 سور 10 يعني 8 على 20 الا بغينا نقولوا دونك 4 سور 10 داكور دونك 4 سور 10
راه قليله بزاف في لا برودكسيون اكريت. داكور، دونك نحاول نقلب كاينين منهجيات اللي اوموا هذوك المنهجيات نفهمهم مزيان، نفهم لي فراز ديالهم وهما تينقصوا ليا من لي زيرور. داكور، دونك ليفور اللي درتي مزيان، ولكن il faut faire encore plus d'efforts، مازال خصك دير مجهود اكثر واكثر. ونتمنى لك التوفيق.